Chers auditeurs, bonjour. Patrice sur Andy FM pour notre émission d'aujourd'hui sur le carnaval 2022. Donc, on a invité, nous avons la présence de M. Yannick Lucret, nouveau président de l'association Carnaval du Sud. Donc, en intervenant, nous allons avoir Grégory Loza de l'association C'est en nous de Sainte-Marie. On va rappeler quand même les dates du carnaval. Donc, le carnaval a lieu du 27 février au 2 mars. Alors, quelques chiffres, j'ai fait des petites recherches, quelques chiffres en termes de requêtes sur Internet. Donc, du 1er décembre au 31 janvier 2022, nous avons 610 750 requêtes, dont le Mardi Gras 2022 représente 500 000 requêtes sur Internet. Donc voilà ce que ça donne en termes de résultats. Donc si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez appeler au standard d'un DFM au 0596-76-82-68. Alors tout de suite, je vais passer la parole à M. le Président Yannis Lucret. Donc ces chiffres, 610 000 requêtes, qu'est-ce que ça représente ? Ben, bonsoir à tous. Je pense que toutes ces requêtes, ce sont des gens qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de faire le carnaval, en fait. Donc, c'est vrai qu'on sait que le Covid, malheureusement, il est toujours présent, mais on a une partie de la population qui a envie de se défouler, même si on respecte les gestes barrières ou autres. Donc, je pense que ça représente ça à peu près les chiffres. OK. Donc, cette année, visiblement, il n'y aura pas la grande parade du Sud. Alors malheureusement non, mais c'est bien pour ça qu'il a fallu se réinventer et proposer de nouvelles choses. Donc c'est vrai que je suis en poste depuis une dizaine de jours. C'est vrai que l'association Carnaval Sud est connue pour sa grande parade du Sud du Lundi Gras, mais aussi pour ses élections de reine et de mini-reine du Sud. Donc, on a trois axes forts pour cette année 2022. Bien sûr, on n'aura pas notre grande parade du Sud, mais on a su se réinventer en proposant trois nouvelles formules. La première qui est le carnaval dans ma ville. Donc, les communes du Sud se sont portées au jeu pour pouvoir décorer leur ville, donc axé sur le carnaval avec plusieurs décorations, le thème étant libre. Donc, je pense que pour la semaine du carnaval, on aura droit de belles villes décorées, de beaux projets, vu que le thème était libre. La deuxième formule qu'on va proposer, c'est un concours de groupes à pied. Donc, on a recensé 8 groupes à pied. Donc, la manifestation se fera à huis clos sur le stade du Vauclin. Néanmoins, elle sera médiatisée par plusieurs plateformes telles que différentes radios via Facebook et les réseaux sociaux. Et la troisième formule, on a tenu quand même à garder la fameuse élection de la Reine du Sud. Ça se fera le samedi 26 février à partir de 14h sur le plateau sportif de l'école Encamé. Donc on aura 6 communes quand même avec des reines et des mini-reines qui ont voulu participer à cette année malgré le contexte difficile. On aura 3 semaines, donc les communes ont 3 semaines pour pouvoir faire appel à leur imagination pour créer de beaux travestis. Donc on espère aussi que la manifestation pourra se passer en bon due forme et on espère que le public pourra répondre aux attentes. Ok, merci. Donc, nous avons à l'antenne M. Grégory Loza, qui est responsable du groupe C'est en nous de la commune de Sainte-Marie, dans lequel, si je ne me trompe pas, il y a le groupe James Bond. Oui, voilà, c'est exactement ça. Déjà, bonjour à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Et bonjour à vous et merci pour l'invitation. Alors, comme l'animateur vient de l'indiquer, je suis le président de l'association C'est en nous. Et dans l'association, nous avons un groupe de carnaval qui s'appelle James Bond. Ok. Et du côté du Nord, parce que là, le président il nous a parlé du Sud, l'organisation qui va y avoir lieu dans le Sud. Du côté du Nord, notamment Sainte-Marie, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu.
Nous sommes dans l'attente de ce qui se dit au niveau de l'État, du préfet, pour savoir comment on s'organise, sachant que le nom n'est pas aussi pourvu de groupes de carnaval comme peut l'être le centre, le sud. Donc, c'est ce qui constitue vraiment une force de pouvoir ou de proposition, une force de proposition qu'on n'a pas au nord comme ailleurs. Ok. Et en termes digital, est-ce que, parce que je vois que vous vous entraînez tout de même, vous faites des répétitions. Donc, est-ce qu'en termes de digital, il y a quelque chose de prévu? Pour l'instant, non, nous n'avons rien de prévu. Ben oui, comme vous venez de le dire, ça fait quelques semaines qu'on a repris les répétitions de façon à être toujours dans les règles. Donc, on a dû modifier nos horaires de répétition par rapport au couvre-feu, ce qui fait qu'on se retrouve à répéter le dimanche après-midi de 16h à 18h à la place Eugène Monod au Bandévé. Ok. Donc, monsieur, la question qui se pose, je vais le poser à monsieur Yanis Lucret, est-ce que par rapport au nom, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir une espèce de partenariat pour faire participer les groupes carnavalesques du Nord à ce qui se passe dans le Sud? On ouvre à toute proposition, sachant que la parade du Sud n'accueille pas uniquement des groupes du Sud ou du Centre. Hein. On a eu l'occasion de recenser des groupes du Nord hein, qui viennent défiler à la parade du Sud. Hein. Parce que le carnaval est constitué, pour moi, de l'ensemble des groupes du carnaval. Hein. C'est nous qui faisons notre carnaval, donc on n'est pas spécialement fermé sur des groupes du Sud ou du Centre. Hein. Bien au contraire, hein. L'union fait la force et je pense qu'on peut avoir un carnaval autrement en rassemblant et en fédérant. Nous avons aussi dans nos studios M. Félix Verpré, qui est président de l'association Andy FM Martinique. Donc, la question qui se pose aussi, c'est par rapport aux personnes en situation d'handicap, qu'est-ce qui est proposé pour le carnaval? Bonsoir aux auditrices et auditeurs de Andy FM Martinique et à tout ce petit monde qui se trouve sur le plateau. Pour répondre à ta question, je te dirais que chaque année, nous avons eu la chance de participer, d'avoir un gradin sur le Malicorne où la mairie de Fort-de-France se fait le plaisir de nous installer. Et donc, cette fois-ci, avec le communiqué de COVID, je pense que je n'ai rien reçu comme invitation pour dire que nous pouvons faire quelque chose, puisque tout dépend de la décision que prendra le monsieur le préfet. Mais seulement, je peux dire que il s'avère que dans les années précédentes, nous avons eu l'occasion de faire un défilé avec un char et on marchait sur les échasses. J'ai eu l'occasion de marcher sur les échasses devant. Et puis le groupe des non-malouins était derrière et c'était un plaisir. Donc pourquoi pas? On va bien voir si cela pourra revoir le jour. Pourquoi pas? L'occasion aussi pour nous à travers cette émission de pouvoir aussi donner la parole au monde associatif. Donc c'est pour ça que je redonne la parole à M. Grégory Loza. Donc, l'association C'est en nous. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur son activité associative au-delà du groupe de carnaval? Alors, l'association C'est en nous, c'est une jeune association socioculturelle et sportive.
Donc, on se veut ouvert un petit peu à tout. On n'a pas voulu se limiter. Donc, au départ, c'est un groupe d'amis qui s'était... On s'est réunis autour de deux thématiques principales, le football et le carnaval. Donc, on s'était déjà organisé. On était marron. Donc, on a voulu donner un petit peu plus de sens à ce qu'on faisait. Donc, on a créé l'association pour avoir, d'une part, le groupe de carnaval et, d'autre part, créer une équipe de foot UFOLEP. Et étant la majorité des personnes qui constituent le comité, nous sommes jeunes et nous avons voulu garder une ouverture pour toute personne qui voudrait nous apporter un projet différent de ce qu'on propose. Et si on a la possibilité de suivre et si le projet, on va dire, si la personne se donne les moyens et qu'on peut accompagner tout ça, ben on se lance. Pour l'instant, on a eu l'occasion de réaliser des marches, de réaliser quelques petites fêtes ou des soirées de cohésion pour rassembler un petit peu tout le monde, où chacun avait le plaisir de ramener ce qu'il voulait et pour passer un bon moment autour d'une belote, d'un domino et de la musique. Et merci. Donc, si on veut rejoindre votre association, comment ça se passe? En général, on préconise que les gens passent par le numéro de l'association plutôt que de passer par le président, parce que le président, lui, ben, il peut partir, alors que l'association, elle est en droit de rester là. Donc, on a un numéro de téléphone, on a aussi une page Facebook et un compte Instagram. Donc, je peux donner le numéro de téléphone. Oui, tout à fait. C'est le 0696 545 877. Donc, je reprends ce numéro de portable, 545 877. Donc, vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou par message ou par un appel et on contacte la personne. Ou sinon, pour ceux qui se posent encore la question, c'est sur Facebook, c'est ASSO, plus loin, c'est en nous en un seul mot, S-E-T-A-2-N-O-U. Et sur Instagram, c'est en nous, S-E, plus loin, T-A-N, plus loin, nous. Sans S. Ok, monsieur Grégory Loza, je vous remercie de nous avoir consacré un peu trop de votre temps pour nous parler de votre association. Et puis j'espère pouvoir peut-être éventuellement vous voir sur le format digital, on va dire. Alors, c'est merci pour la proposition. Et c'est vrai que les groupes n'ont pas souvent l'occasion en fait de laisser, je veux dire, une trace digitale. Et si on tape, je sais pas, n'importe quel nom de groupe, maintenant, on trouvera très peu de vidéos, on a très peu d'enregistrements, donc c'est peut-être l'occasion aussi pour de mettre tout ça sur un autre format qui permettra, puisque ça fait partie de notre culture, qui permettra de laisser une trace. Vraiment, parce qu'on aurait bien aimé aussi entendre ce qui se passait avant. Voilà. Tout à fait. Il faut savoir aussi qu'il y a un concours carnaval digital qui est organisé par l'ADEP. L'ADEP, je donnerai les informations en fin d'émission. Donc c'est un concours qui peut permettre au gros carnavalesque d'obtenir un financement pour pouvoir l'utiliser pour votre association. Donc, je donnerai les informations en fin d'émission pour les... D'accord, mais on a eu le plaisir, en tout cas, d'y participer. On a pu terminer deuxième. Donc, voilà, c'était assez gratifiant pour nous. Maintenant, avec le contexte actuel, je veux dire que une émission comme la vôtre permet, en tout cas,
de redonner vie au carnaval, de redonner vie aussi à toutes les personnes qui en ce moment sont un petit peu réticents, un petit peu de peur, que je comprends d'ailleurs. Donc, mais ça montre qu'il y a encore de la vie et que tant qu'on peut, ben, il faut se lancer. Oui, en fait, notre émission n'est pas uniquement audio. On exploite aussi le format vidéo et c'est diffusé en ligne, qui veut dire qu'on a une audience sur Internet, parce que OnDFM a compris que si on est à l'aube d'un carnaval qui va tendre vers le digital, en fait, il faudrait avoir une audience digitale, voire dans le cas où ça devient digital, c'est un carnaval qui peut être ouvert à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que cette émission est à la fois audio, mais diffusée aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Donc, je propose une petite musique, peut-être. Voilà, une petite musique. Allez. Et puis, Grégory, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. D'accord. On part avec ambiance ethnicolore tout de suite sur OnDFM Martinique. Allez.